pile pour qu'ils en pour qu'ils en moi-même, qui ça me fait, moi-même, je suis un médecin traditionnel. C'est sur feuille, et je suis invité à ma faire. Et c'est pour nous prendre des sabotages sur la canapé de la journée. Donc, nous avons un rapport avec petit ami qui est kidnappé. Non, on ne parle pas de ça. Ok. Donc, nous, nous, tout comme on est. Dernière information sur channel là, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fiat TV 83, 25 novembre 2022. Mes principales points pour le fait essentiel pour jeudi. Une autre fois encore, la police est déterminée pour mettre bandits hors d'état de nuit. L'opération continue de faire dans le pays à toute l'autre ville avoisinante. Ou est comment pays après le râle en souffle suite à cause bandits qui a poussé un coup de jonjon et ça n'a pas empêché tout. En plus, de kidnapping a fait enlèvement par-ci par-là pour l'agent Zak assassinat. Et la police nationale là déterminée. Nous parlons encore dans la zone Wanamete côté affrontement cap éclaté entre haïtiens et dominicains. Situation ça la gueule, gros tête chargée en d'un pays et gagne plusieurs sénateurs en Haïti qui parlait sous dossier ça suite à la déportation. En fait, voilà, Abinader a continué faire sous Haïti. L'autre détail c'est pour courir là, rester ensemble avec nous, c'est Sofia TV 83. Plus d'informations à venir dans la nouvelle là et dans la prochaine édition suite à ce dossier Saint-Domingue là. Pourquoi pas, opération la police a continué à mener dans le pays. Songez à abonner et de partager plus de vidéos à rentrer la caillou sans gratitude. Mais la police lui-même, bon côté parle, cap essayer de mettre pied à terre pour capable croiser action bandits chaque jour qui passait. Et ça fait, ouais, un pile mobilisation en fait, bon côté recommandement la police, non? Cap renforcer présence, policiers New York dans divers coins, divers côtés pour garder comment on capable mater les affaires insécurité, les affaires banditistes, non? En d'un pays et d'Haïti. N'en prenne là, il y a deux présumés bandits qui relaient, Youn Rele Charles Routler, à Vilgens Edouard, de Nexao C, état membre groupe gang cap opéré dans Canaran 5. Nexao qui mortellement blessé, qui stoppé, qui éboué de l'eau bouchio, qui va la naissance, mais je vous quitte mercredi 23 novembre 2022, dans le cadre boucanté coup de balle avec un patrouille unité départementale métier l'ordre Udmo, dans quoi les bouquets, Divitissa qui a opéré dans zone corail, que tout le monde connaît sous nom, zone station Sab, et Nexao spécialisé dans Rale Zamsoum. Détourner un camion marchandise, d'après ça qui dit beaucoup d'autorités et policiers. On a toujours été sous même dossier opération la police. Nous prenons avec arrestation ça. La police fait dans la zone Lillavoie, commune à Croix-des-Bouquets, dans la même journée mercredi ça. Côté la police arrêté des individus qui spécialisés. On a fait kidnapping. Nous parlons plus de détails sur ça. Avec arrestation, si la plusieurs unités qui affectaient notre direction centrale, police judiciaire, t'as coussé l'île compte enlèvement, brigade recherche avec investigation, menée mercredi 23 novembre dans une opération dans la localité, l'île à voie 1, commune, Croix-des-Bouquets. Pendant l'opération, ça force l'ordre a interpellé deux présumés kidnappés et puis saisi trois armes. Parmi eux, un revolver Cali 22, deux pistolets Mac Glock, 54 cartouches Cali 22 avec deux lotes calibre 12. Selon la police, Résilma Wisney avec Mérilin Pierre-Sonnel, c'est même gang qui a opéré dans bon repos. Des CPJ ont cherché pour plus passer une dizaine de cas enlèvement. Dernier cas enlèvement qui fait c'est la date 13 octobre à Nassanto. Un juge de paix qui était là pour suite légale, selon PNH, qui soulignait individu en garde à vue dans DCPJ pour suite judiciaire nécessaire. Toujours avec autorité policière, on apprend que dans le cadre d'un contrôle routine qui fait un bon côté en patrouille policière, mais dans le jour là, lundi qui était 21 novembre 2022 à zone Cafoupé-Ligue, bien qu'on certain de Quentin avant Paul Jean-Noël qui arrêté, mais arrêté M. pour détention illégale, Zamafeu dans zone Cafoupé-Ligue, mais qui connectait Woutsa, qui situé là, pas trop loin, mais en balai département centre pays d'Haïti. Mais yo prend là, yon calibre 9 mm, nan metto ça, avec 7 cartouches que yo joignent en deux dans Zamsa, qui donc la police qui confisqué Zamsa dans main, Cantave Jean-Paul, Paul Jean-Noël, vous nous dites bien Cantave Paul Jean-Noël,
après au fin de tout ça, monsieur déclaré vraiment li, la police ni même monsieur impliqué dans diverses vie actions dans détourner camion marchandise dans région métropolitaine Port-au-Prince et pour qu'il y a tout ça qui les canta avant Paul Jean Noël la réfléchi des quatre murailles d'après autorité judiciaire autorité et policière yo. N'a pas poursuivre avec information yo l'autre dossier dans journal là c'est mouvement qui gagne dans Wanamet dans l'idée pour capable dénoncer façon autorité dominicaine a déporté haïtien yo gagne point frontalier entre Wanamet côté haïtien puis Dayabon côté dominicain qui connaît une journée tension hier jeudi quelques jours après décision plusieurs citoyens haïtiens étaient pas pour être capable fermer frontière pour protester contre un mauvais traitement et autorité dominicaine nous a infligé contre haïtien dans pays voisin commerce haïtien qui était trouvé au bloc République dominicaine était tenté hier jeudi en fait échec avec initiative Sila selon plusieurs sources dans Wanamet chauffeur haïtien qui pas de cas livrer marchandise qui a pourri un camion à cause frontière qui fermait et essayer ouvrir passer en force une décision qui était provoquer quelques citoyens qui t'ai lancé gros coup qui t'ai lancé roche et à bouteille en direction frontière pour capable forcer chauffeur faire demi-tour m'a dit plusieurs citoyens qui t'a pas agi sous chapeau organisation société civile voilà maintenant t'ai décidé fermer point frontalier entre deux pays pour protester contre traitement et puis déportation massive migrants ici en République dominicaine ou intervention incendiaire à racisme maire d'Abona à cause d'intervention de TFS et magistrat d'Abona Santiago Riveron qui t'a protesté contre décision haïtienne autorité au niveau pouvoir central des pays était bouche bée sous situation ça qui risquait mettre l'huile sous différentes entre relations de peuples qui partageaient l'île d'Haïti. Nous avons avec réaction ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé sous même causé situation compatriote haïtien et la caille voisin. Mais en nous fonti retourner tout petit là avec question la police qui est même à peine met information ça dehors par rapport avec opération menée hier jeudi 24 novembre. Non? Et après ça, avant nous venir avec sénateur à tout, nous prenons venir avec Jean-Marc Sonny d'Espagne qui est même prêt à dire comment zone Gérald Bataille levée pour matin, on même cap sorti Gérald Bataille pour capable venir zone. Bon, l'hôpital La Paix qui pourrait aller par les municipales d'Emma 33, par les de l'Arc qui pourrait aller silo, mais où pourrait le connaître, est-ce qu'on est capable de traverser? Mais j'en dis, en nous venant avec information ça, concernant arrestation, mais individu ça y est, gagné d'Orsely Murlin qui a 43 l'année sous tête libre, monsieur son membre influent groupe gang qui a opéré dans Rosenberg, dans Bon Repos. La police a arrêté monsieur, c'est agent Udmo, dans Mion Ballet qui fait arrestation ça, hier jeudi 24 novembre 2022, dans le cadre d'opération que la police menait. Yo tap cherché tout ça tant couché fou pour présumer implication monsieur dans diverses actes malhonnêtes que monsieur a fait dans zone Rosenberg dans Canaran. On l'autre côté mais il y a même hier jeudi dans localité Denignon mais Denigon pour me t'a dit bien mais dans Mion Ballet la police a posé la patte sur certains de Filiscar Denel get 37 l'année monsieur Sénégal en fond cheval la police tap cherché tout ça tant couché fou parce que monsieur lui-même li impliqué sous acte li té violé les violés, yon tifiette qui gagne 10 l'année sous tête li qui donc la police qui lui-même dit les la combattre action criminalité action banditisme mais tout malfrat mal vient qu'a fait vie action dans une société à jeune dian c'est des individus à arrêter hier jeudi yon c'est nan on dit non, Croix des Bouquets, bon, Rosenberg, Bon Repos, qui s'est d'Orsely Murlin, qui est 43 l'année, monsieur qui est impliqué dans diverses actes, mauvais affaires, la fin dans zone Rosenberg, Canaran. Et puis, l'autre côté, c'est dans zone Denigon, une localité dans Mion Ballet, département centre-campé d'Haïti. C'est Filiscar Denel, qui est 37 l'année, arrêté, monsieur, parce que l'été violé, yon fillette, qui gagnait 10 l'année. Jean Tédian, bon, nous venons, avant nous venir avec réaction, bon côté, ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, en nous venir avec, Jean-Marc Sonny d'Espagne pour nous connaître comment ça y est dans le cadre de Rubik 4 traverser zone Gérald Bataille pour matin. Est-ce que nous sommes capables de traverser avec Jean-Marc Sonny d'Espagne? Bonjour Jean-Marc Sonny, comment ça y est? Déjà traversé à Fèchemel, nous remarquons qu'il y a diverses camionnettes qui arrivent dans la zone Gérald Bataille pour démarrer avec le transport public là pour matin.
camionnette à point de fion, les bons repos sont déjà arrivé là, même si camionnette qui peut aller clair sin frérot, trois des missions qui peut aller dans le marché tabac, ils n'ont pas en pile dans la station si là, mais ça ne pas empêcher de traverser puisque ils même ils pas pris un temps pour arriver dans la zone si là, ils ont plusieurs bis déjà disponibles là pour prendre direction, croix des bouquets, pour prendre direction, pour t'aller aux gagnes diverses camionnettes déjà pour en ligne. Pour aller la ville, camionnette qui va aller carrefour, aéroport, ou pas en quantité, dans la station, si là, on a regardé, dans la station 33, diverses camionnettes déjà prend position pour mener population en bonne télévision nationale, camionnette qui va regarder, ou pas comprendre ligne pour matin, puisque nous estimons qu'elle est un peu bonheur, mais ça ne peut pas empêcher, ou même au traverser, qui est une diverses taximoto, déjà prend position pour traverser avec population. C'est un peu citoyen qui déjà abattu avec activité au 9 minutes. N'a pas les là, ça qui vient à ouais avec question insalubrité. Route Marigaté a toujours été une catastrophe. Et c'est à autorité pour regarder comment ils sont capables de résoudre le problème si là, avenir Marigaté. Avenir Girard Théodate, lui-même tout, n'a nécessité. Mousseau de nettoyage, 9 minutes n'a pas les là. Nous prenons route dimanche pour nous regarder comment ça y est avec le transport public là qui déjà a fait, mais il faut que nous disions taxi moto, il n'y a pas pour arriver dans la station, il y a sur route 33, la palais de Riel Saint-Patrick, Riel Shalom, Riel Benjamin, pour nous arriver, zone palais de là, station moto ça y est, il n'y a pas quoi en forme, nous arriver devant la télévision nationale pour nous raccourcir parcours, nous avons déjà remarqué diverses camionnettes qui déjà a pris direction silo qui va aller. Gérald Bataille, camionnette qui prend direction Rodelma à Pétionville. Il y a diverses camionnettes qui prennent direction la ville. Tibis qui va le portail et au gagnant dans la zone télévision nationale. Ils ont déjà répondu présent, diverses taxis moto. Ils ont même tout déjà là pour aider la population à traverser ça qui vient avec la sécurité publique. Pour matin, nous avons déjà remarqué la police lui-même. Cap travail dans job pali à autorité, reste autorité concernée, vous regardez vous-même, qui ça y a qu'à faire pour mettre l'ordre dans des ordres qui tiennent au traversier, les déjà à fait, les plus que possible, non pas, c'est toujours Jean-Marc Sonny d'Espagne, Radio ça, c'est méga, fait en pile, prudence, vendredi, week-end, bonne journée tout le monde. Avec Jean-Marc Sony d'Espagne. Nous allons aller avec information. Jean Noté Doulan, nous allons aller avec réaction sous déportation massive qui a fait en République Dominicaine. Réaction avec ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui a réagi sous dossier si là. Eh bien, il fait qu'on est président Luis Abinader a utilisé dossier ça comme un outil électoral. Dans deux années encore, pour aller gagner deux lots anti-haïtien en face ligne à l'élection. C'est ça qui pousse le coup à déporter haïtien papi la papa. République dominicaine tourne en contexte la vie chère et sécurité qui risque de créer mouvement protestation contre pouvoir Abinader là qui a cherché faire diversion avec dossier à ICO selon ancien parlementaire de côté Jean-Baptiste Bien-Aimé qui était dans le micro au malaise samedi. Nous, à 2 ans des élections, ça veut dire que c'est campagne qui a fait toute force politique en République dominicaine utiliser le thème haïtien pour faire campagne. Pour les états, Abinader a utilisé le thème haïtien pour faire campagne. Mon dirigeant a pris dans le sondage, c'est le référendum utilisé même thème haïtien. Et troisième candidat, c'est Abel Martinez, à Santiago, qui est candidat à la présidence, et nous avons bombardé, haïtien. Alors, je vous dis qu'il y a un gros problème en Dominicane, un problème de sécurité qui est enragé, il y a un problème de la vie chère qui est enragé. Le peuple a presque pris la rue contre le président Abinader. Alors, l'obligé d'utiliser le thème haïtien pour permettre que les mêmes y fassent diversion. Et cette diversion, ça a fait comme si ça va avec lui, et bien l'autre force politique est obligée d'entrer dans le même démarche pour Yoka, Joël et bénédiction. Population. C'est ça qui. Mais cependant, nous connaissons gagner un pile haïtien dans la République dominicaine. Un pile haïtien dans la République dominicaine. Dès longtemps, nous avons gagné pour les agricoles, travailler dans la construction. Nous avons gagné quelques mondes qui travaillent dans le tourisme. Mais la réalité, avec un alternatif, fait que gagner une sécurité, kidnapping, un pile haïtien obligé d'aller en République dominicaine, mon classe moyenne, mon riche, parce que il y a un problème de kidnapping, un problème d'insécurité. Ça fait que l'autre catégorie d'haïtien qui allait en République dominicaine. Haïtien, ça, aussi, mon gars, possède 50 000 dollars en Haïti, au rivet, ils font des rails, ils font un petit restaurant,
yo fait une série de barbershop, etc. De une série de activités pour qu'à suivre en attendant que les gens changent en Haïti. La situation qui est là, c'est que Dominique a radicalisé position par rapport à Haïtien. Aujourd'hui, nous avons toute qualité de monde. Nous avons bourgeois. Bourgeois, par exemple, monde à l'aéro. Nous sommes continuels dans la République dominicaine. Ça veut dire que nous gagnons un pire Haïtien dans la République dominicaine. Eh bien, le Dominicain, il n'y a pas fait de discrimination. De longtemps, on ne reconnaît pas. C'est ouvrier, il y a là, il y a un cap menti. Je vous dis, il y a n'importe quel étudiant, il n'y a pas de visa. Mais là, le même gaz là, Jacques Nation là, qui vivait exactement dans le commissariat. Et tu vois là, amis téléspectateurs et téléspectateurs. Voilà, Jacques Nation là, donc c'est comme ça. Ça y est, dans le moment qu'il n'a pas l'air, mais le gaz est pratiquement arrivé dans le commissariat. Si vous voulez, là, nous allons permettre aux capables de l'image de plus bien à nos téléspectateurs. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc toute moto, ça y est, toute machine, ça y est, tout net, c'est gaz vini. Tout net, c'est. Gaz, le sojourn dans la zone, dans la rue Benoît. Donc, pratiquement arrivé à Bella, le gaz, lui-même, pratiquement arrivé dans le commissariat, donc, amis téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision, sur le plateau, etc. C'est dans le moment qu'il a parlé. Voilà, donc tout ça, c'est moto, et tout ça, c'est moto qui est chargé avec gaz, Jacques Lapsouvre là. Voilà, donc c'est comme ça, ça y est. C'est pour ça que ça y est, il y a une moto qui porte 4 gallons, il y a une moto qui porte 4 dooms, il y a une qui porte 3 dooms, il y a qui porte 3 dooms, comme ça, il y a qui porte 2 dooms, voilà, il y a qui porte 2 dooms, et puis la machine dans les mêmes qui porte 4 dooms. Donc c'est comme ça, ça y est là, c'est comme ça, l'ambiance là, là, le commissariat Tigouavlan, et les gaz même qui pratiquement arrivé dans le commissariat. On a pris encore, gaz ça y est, c'est. Je suis venu dans une caille dans la zone rue Benoît. Tout le gaz, je suis venu dans une caille dans la zone rue Benoît qui est stocké pour faire santé capable de marcher noir. D'accord? Donc c'est comme ça, ça y est. Oui, matin, l'homme là, donc nous toujours dans la rue. Non, non, c'est toujours même gaz. Donc c'est toujours même gaz, je suis prêt. Et bien là, je suis allé avec vous directement en dedans. Commissariat Tigouavla. D'accord, amis. Donc, merci parce qu'on toujours suivre nous. Bon bagaille, toujours. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, radio et télévision sur l'occasion. Déjà que nous connaissons déjà depuis hier, la commune Tigouavla, ben. Il y a une opération qui est lancée, donc c'est l'opération cherche gaz. Donc, quel que soit à côté, il y a qu'on est, que la justice dans Tigouave connaît que le gaz qu'on est stocké dans la commune. Donc, il y a présent. Mais je dis à ces deuxième. Oui, donc je dis à cette deuxième phase là. Donc, il y a continué à chercher gaz. Mais là, nous dans zone, toujours dans la zone rue Benoît, dans la zone Gaston. Et nous sommes dans la zone, nos cailles et verts. Donc c'est comme ça, ça y est là. Donc toujours même mobilisation, la police, la justice, toute la commune. Et bien, l'autre fois encore, mobiliser dans l'idée pour capable continuer de travailler ça, qui c'est continuer d'échouquer sacré les gaz qui là pour faire marcher noir en dans la commune. Donc là, nous sommes déjà. Donc il y avait, donc il a continué à chercher, il a continué à fouiller toute caille là, dans l'idée pour voir est-ce que vraiment vrai qu'il y a gaz dans la communauté. Voilà. Donc ça c'est des dômes qui vident. On n'a pas fini. We'll be right back.